Madame Claire Deleuze, archiviste aux archives municipales de Cherbourg, bonjour. Oui. Pouvez-vous me présenter le métier d'archiviste, s'il vous plaît? Alors, un archiviste municipal est chargé de la conservation des documents propres à l'histoire de la ville, permet de retracer son activité à travers les siècles. Donc, aux archives municipales de Cherbourg, moi, je suis amenée à conserver des archives qui remontent pour les plus anciennes au XVe siècle, donc du XVe siècle à nos jours. Donc, les conserver dans de bonnes conditions pour qu'elles puissent rester en bon état et consultables par la suite. Je suis également en charge de trier certaines archives qui ne sont pas classées pour qu'ensuite les personnes puissent les consulter. Quand ce sont des archives qui sont en vrac, on ne sait pas forcément ce qu'on va y trouver, donc il faut trier auparavant, les classer et rédiger un inventaire pour que des chercheurs puissent retrouver plus facilement les documents qui les intéressent. Et à côté de ces archives qu'on appelle historiques, je suis aussi chargée d'aider à la gestion des archives plus récentes au sein des services municipaux. Donc chaque jour, en fait, les services municipaux produisent des archives, leurs dossiers deviennent des archives. Donc je les aide à faire du tri dans ces dossiers, à savoir ce qu'il faut garder, pendant combien de temps, et si au bout de tant d'années, ça aura une valeur historique, donc leurs archives viendront aux archives municipales ou elles n'auront plus d'intérêt, donc elles pourront être détruites. Donc tout ce traitement d'archives récentes et réglementées, c'est les archives départementales exercent un contrôle en fait sur les activités des services municipaux. Donc lorsqu'il y a du tri fait dans les archives dans des communes, il faut demander l'aval des archives départementales avant de détruire des archives. Quelles activités exercez-vous aux archives de Cherbourg? Pouvez-vous me décrire une journée type? Donc les archives municipales sont ouvertes 2 demi-journées par semaine au public. Donc une journée type quand il y a une ouverture au public. Donc le matin, je vais soit dans des services pour aider justement dans du tri d'archives et puis rédiger avec eux ce qu'on appelle des tableaux de gestion. Donc voir avec eux ce qu'ils ont comme documents, pendant combien d'années ils doivent les conserver. S'ils ont une valeur légale, il y a un certain nombre d'années où il est indispensable de les conserver. Et ensuite, leur dire si des choses peuvent être détruites ou non. Ou alors je travaille ici dans le bâtiment des archives municipales où je trie et je classe des archives plus anciennes du 19e siècle au début du 20e pour pouvoir ensuite les rendre donc accessibles au public. Et l'après-midi, j'ouvre donc au public. Les chercheurs viennent ici pour consulter. Donc soit ils savent exactement ce qu'ils recherchent, donc ils me demandent des documents précis et je les leur apporte. Soit ils ont juste voilà, un thème de recherche où ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc je suis là aussi pour les orienter, leur dire leur expliquer ce qui existe aux archives municipales, les aider dans leurs recherches et éventuellement les orienter vers d'autres services si je n'ai pas ce qu'ils recherchent. Comment devient-on archiviste? Alors, il y a plusieurs catégories d'archivistes. Il y a soit donc par le biais de l'école des chartes. Donc là, il y a une classe préparatoire de 2 ans pour passer le concours d'entrée à l'école des chartes qui permet de devenir donc archiviste paléographe. En général, on continue avec l'école du patrimoine et on devient donc conservateur d'État. Donc ces conservateurs travaillent aux archives nationales, donc dans les différents sites en France, ou peuvent diriger des services d'archives départementales. Et ou alors, ce qui est mon cas, faire des études d'histoire et puis continuer par un master en archivistique. Et ensuite, travailler soit au sein d'entreprises, enfin voilà, travailler dans le privé, parce que certaines entreprises aussi ont des services archives, ou alors se diriger vers les collectivités territoriales, comme les services d'archives municipales. Quels documents peut-on trouver dans le fonds cherbourgeois? Les documents qu'on peut trouver ici, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas eu de perte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc par exemple, tout ce qui est registres paroissiaux puis d'état civil, on les a en continu quasiment depuis 1549. Donc ça, c'est assez rare pour être souligné. On peut trouver également les recensements de population. Les plus anciens que nous ayons ici remontent à 1793. Il y a un fonds également vraiment d'archives d'Ancien Régime pour toutes les personnes qui souhaiteraient voilà, faire des recherches plus spécifiques sur la vie à Cherbourg sous l'Ancien Régime, justement. On a le cadastre napoléonien qui date pour Cherbourg donc de 1824. Et puis après, tout ce qui est lié aux activités de la ville, donc les bâtiments municipaux avec un dossier sur la construction du théâtre à l'italienne par exemple, sur la construction de la bibliothèque des sciences aussi à Cherbourg. On a pas mal de plans,
Et puis tout ce qui est délibération aussi du conseil municipal, on les a aussi en continu. Voilà, quand une personne veut faire des recherches sur un thème précis, par le biais des délibérations et des décisions du conseil, elle peut trouver des informations. Et on a aussi une belle collection d'affiches qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, par exemple, qui est souvent consultée par des classes, parce que je reçois aussi des classes parfois. Donc selon la période qu'étudient les scolaires, voilà, je sors certaines affiches, puis comme ça, ils peuvent travailler dessus avec leur professeur. Voilà, après, ça touche vraiment toutes les activités d'une mairie, puisqu'en fait, voilà, sont les dossiers de la mairie qui, petit à petit, viennent ici. Donc ça touche à tous les domaines, l'éducation, la police municipale, tout ce qui est état civil, les listes électorales, les bâtiments municipaux, c'est vraiment tout ce que peut gérer une mairie. On essaie d'en garder une trace ici. Je sais qu'aux archives du Havre, les documents les plus consultés sont en rapport avec la généalogie. Qu'en est-il des archives municipales de Cherbourg ? Alors ici aussi, la plupart des personnes qui viennent ici viennent pour faire des recherches généalogiques. Alors il faut savoir qu'il y a une grande partie des registres d'état civil de Cherbourg et Octeville qui sont maintenant en fait consultables sur Internet, sur le site des archives départementales de la Manche. Donc maintenant, beaucoup de personnes consultent aussi ces documents chez eux, mais tout n'a pas été numérisé, donc ils viennent consulter les registres d'état civil qui n'ont pas été numérisés, ils viennent les consulter ici. Et effectivement, ces mêmes généalogistes, ou enfin voilà, des personnes qui font des recherches sur leurs ancêtres, consultent d'autres documents qui peuvent les aider aussi là-dessus, donc tout ce qui est recensement de population, ça peut les aider à trouver des informations sur leurs ancêtres, liste électorale, éventuellement le cadastre aussi, parfois ça peut les aider. Mais oui, c'est vraiment la majorité des chercheurs qui viennent ici travaillent sur ce sujet. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Non, si ce n'est que tout le monde peut venir aux archives municipales. Il n'y a pas de critères, l'accès est gratuit. Ça se fait donc 2 demi-journées par semaine, le lundi après-midi et le jeudi après-midi. Et voilà, moi je suis là pour accueillir les personnes, même si elles n'y connaissent rien aux archives, il ne faut pas avoir peur de venir. Et moi je serai là pour les orienter et leur dire si je peux avoir des choses qui les intéressent. Il ne faut pas forcément voilà, avoir une connaissance précise de l'histoire pour venir aux archives municipales. Il y aura forcément, enfin ici ou même dans les autres services archives, quelqu'un pour guider la personne dans ses recherches et l'aider à trouver ce qu'elle veut.